Vraiment désolé de ce qui s'est passé juste avant, j'ai spammé les notifications, mais Twitch m'a fait un petit bug chelou, salut Lotharion. En lançant le stream, je me suis rendu compte que je pouvais pas régler la qualité. Salut Braphis. Vous savez, en bas. Attendez, un peu plus de light peut-être. Comme ça, ce sera mieux. Je pouvais pas régler la qualité. Salut Saïba. Et salut à tous, hein, bien sûr. Je pouvais pas régler la qualité, vous savez, 1080, 720, 320, enfin bref, tout ce qui va, tout ce qui va. J'ai failli vomir devant la scène du début, pourquoi ça? Et salut à tous. Et trop bizarre. Du coup, j'ai fait changer plein de paramètres, la qualité et tout. C'est pour ça que là, on est en 720p 60fps à 3500, à 3000, 3000 de bitrate. Mais pas le choix, pas le choix, je sais pas pourquoi. Pas vomir, endormir. Ah pardon, j'ai failli m'endormir, effectivement, pardon. J'ai cru que t'avais dit vomir. Donc je sais pas pourquoi, il m'a fait cette petite surprise. Donc du coup là on est en 720, tant pis, je suis désolé. Mon ami, et même avec une cause suffisante, je peux pas regarder Twitch, obligé de regarder en 4G. Oh c'est terrible ça. C'est quoi qui est faire ça? C'est beau ça, hein? Ça c'est stylé, oui je sais. Ça c'est la classe. Ça c'est la grande classe. Ah bah je le kiffe bien, ouais, forcément. Il est bien stylé, ouais. Bon, du coup, sur cette mésaventure, ce soir, on va tout simplement tester une Super Nintendo. Mais attendez, j'ai des trucs à vous raconter. Ah, j'ai failli oublier. Ah bah oui. Bah si, en fait, c'est de leur côté le problème. Mais du coup, j'ai dû configurer pour, dans le cas où, justement, hop. Le 720, enfin le 1080, les réglages ne fonctionnent pas. Mettre un truc assez bas pour que les gens qui n'aient pas un réseau terrible puissent quand même passer. Santé Lotharion. Bon, vous le voyez derrière là? Regardez comme il est joli. Je l'ai mis là finalement. Ouais, petit t-shirt Super Nintendo. Nintendo 64, pardon. Pardon, pardon. Mais ouais, ça, pour une fois que j'ai un t-shirt plutôt raccord avec ce qu'on fait, ça reste de la Super Nintendo, ça reste du Nintendo, donc ça passe. Et salut Victor! Donc ouais, le petit Atari qu'on a refait... Qu'on a refait en live, regardez ça comme il est joli. Il est tout beau, tout propre. Impeccable. Ça, on va pouvoir l'utiliser pendant longtemps, je l'espère. Avec même le petit lecteur disquette qui a été tout refait à l'intérieur et tout. Et on s'est gavé là-dessus. Hein. Moi je vous le dis. Ça fait plaisir en vrai. Je suis très content. Je suis très très content. On le remet en boîte. En place. Voilà. Bah alors ce soir. Hein. Je ferai un rétro bail du futur. Ouais, je sais, faudrait que je fasse un de ces quatre. Pour l'instant, j'ai pas le stuff qu'il faut et c'est peut-être pas le moment d'aller faire des courses. Enfin, d'aller chercher dans les magasins tout autour de chez moi. Donc, pour ceux qui étaient sur le Discord aujourd'hui, tu as encore de la place pour ranger toutes les consoles. Oui, ça va le faire. Bah, là, déjà, ça c'est ta MO5. Ça c'est ta MO5. Et après. L'étagère du haut, ça va être des trucs à vendre, donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et j'ai encore en bas des trucs. Bref, ça va aller. Ça va aller. Je trouverai toujours trop. On peut toujours trouver de la place pour entasser du rétro. Ce soir, pour ceux qui étaient sur le Discord, vous avez vu. Je vous avais dit. Je vous avais annoncé qu'on allait jouer à un jeu PS2. Malheureusement, je lance à chaque fois avant le live. Je fais un petit test avec la console histoire d'être sûr, etc., que ça fonctionne. Bah, cette petite PS2 réparée en live, eh ben, elle marche pas. Elle me fait un bug chelou au niveau de l'écran, du lecteur, je veux dire. Le lecteur veut pas réagir. Il a 2-3 DO avant de. J'aimerais bien, c'est pas les miennes, malheureusement. Mais ouais. Petite PS2 qui fait la gueule, qu'on a entièrement refaite. Le lecteur fait un. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, on avait joué à Gran Turismo et tout sans souci. Et là, elle fait ce bug, genre ça fait un espèce de petit cliquetis dans le lecteur et ça marche pas. Et le jeu ne fonctionne pas, ne se lance pas. Donc, demain, autopsie.
On va la réouvrir. Ça devrait être plutôt rapide, hein, l'ouvrir, regarder ce qu'il y a de... enfin, ce qui se passe au niveau du lecteur. Et puis voilà, on n'a même pas besoin de la nettoyer, elle est déjà toute clean, on l'a déjà toute refaite celle-là. Donc franchement, ça fait plaisir là-dessus. Et donc ce soir, c'est pas grave, j'avais quand même une porte de sortie, j'ai quand même une Super Nintendo à tester. Et oui, vous vous souvenez, la Super Nintendo, on a changé son fusible, on a fait un gros nettoyage bien complet, et maintenant, faut qu'on s'en occupe. Donc ce soir, c'est pas PS2, c'est Super Nintendo. Qu'est-ce que c'est que ce live sauvage? Eh bah alors, on n'est pas sur le Discord! Ça va pas, cette histoire! C'était annoncé sur le Discord. Hop, j'ai juste caché ça pour éviter d'avoir la tête qui tourne toutes les deux minutes. Voilà. Je l'avais annoncé sur le Discord, c'est pour ça. Mais ouais, il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu. Il n'y a plus grand-chose de prévu en ce moment. Hein. Je lance les lives comme ça. Vous êtes habitués. Vers 11h, il y a un live qui se lance à peu près tous les jours, sauf mardi, jeudi et dimanche, même si dimanche des fois ça part, même si des fois mardi ça part, même si des fois jeudi ça part également. Donc en vrai, bah, c'est un peu sauvage en ce moment. La mort subite, c'est tellement bon. C'est tellement bon à la cerise. Discord, t'y es presque. T'y es vraiment presque. Et donc, ce soir, comme à l'accoutumée, je vais vous faire choisir le jeu auquel on va jouer. J'ai fait une sélection de 5 jeux, c'est bien ça, 5 jeux. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir? Des jeux que j'ai envie de tester notamment, et des jeux que je n'ai jamais joué aussi. Et oui, ça c'est aussi l'avantage. En grand premier, Super Mario World. Ça c'est beau. Un petit Super Mario World des familles. Mais je préfère la chouffe. Ah, la chouffe c'est plus fort un petit peu. Super James Bond. Pareil que je ne connais pas. Ça je connais, mais je crois pas sur Super Nintendo, je crois que c'était sur Game Boy. Tintin, le Temple du Soleil. Eh oui, il y a du choix. Zelda, c'est Minish Cap. J'ai bloqué le second boss depuis une semaine. Ah, attendez, je reviens. Pardon. Me revoilà. Comment ça, pas de jeu infogramme? Eh, Tintin, le Temple du Soleil, normalement, c'est très très bien. Hein. Moi, je me souviens, j'avais des bons souvenirs là-dessus. Et non, Zelda, j'ai pas. J'ai pas de Zelda sur Super Nintendo. Notamment dû à cause de leur prix. Notamment. Un petit jeu de versus, quand même. Super Street Fighter 2. Non, Street Fighter 2 Turbo, pardon. Et le dernier, pour la fin... alors attendez, son nom français. Enfin, pas français, mais par chez nous. Super Robotector Alien Rebels. Donc, Contra. Si je ne m'abuse. Donc voilà. Ça, c'est les jeux qu'on va pouvoir jouer ce soir, que je vais vous inviter à voter d'ici quelques instants. Ne vous inquiétez pas, un vote arrive. Belle sélection. Ah bah, c'est gentil. C'est gentil, on essaye. C'est des jeux que je n'ai jamais joué, que je ne connais pas. C'est un peu l'intérêt de la soirée aussi, c'est de découvrir des choses. Hop, quel jeu. Oh, salut Nonoche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Super Probotector. J'ai du mal avec ce nom. Super Probotector. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut Mario. Street Fighter 2. Street Fighter 2 Turbo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tintin. Je vais juste mettre Tintin, hein, c'est bon. Super James Bond. Super. Ils sont super ces jeux. Ah bah ça fait plaisir. James Bond. Ça, c'est que des nouveaux jeux que j'avais pas.
que j'ai eu en même temps que Super Mario World. Et hop là! Ça part en pôle. C'est juste au-dessus. Vous le voyez. Maintenant, on vote. Vous savez voter, vous savez voter. Quoique ça fait longtemps, faudrait peut-être que je vous rappelle comment on fait. Si vous voulez que je vous rappelle, je vais vous rappeler. Et bien sûr, salut à tous, hein, tous ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on va passer une bonne soirée, je l'espère. Sans bug, sans rien. Donc, pour voter, c'est extrêmement simple. Vous allez, si vous êtes sur mobile, qu'à cela tienne, vous prenez votre application, vous allez, hop, sur le stream. Vous allez, hop, Hop, sur le ça, c'est stream. moi qui parle. Tac, et regardez. Ici, là, il y a un petit logo. Vote now. On appuie dessus. Si Dieu le veut. Yes, j'ai appuyé sur tout n'importe quoi. On appuie sur OK. Et là, on peut voter. Voilà. Et on vote, tout simplement. Je vous invite à voter. Et bien sûr, vous ne faites pas de ex aequo, hein? Je te vois, Onimara. Je t'ai vu le dire dans le Discord. On ne fait pas d'ex aequo. Je veux que. Putain, vous êtes en train de me faire un ex aequo. Je ne veux pas d'ex aequo. Je vois pas les vites. What the fuck? Quoi? Les votes. Ah, les votes sur PC, normalement, c'est un petit logo qui vient de pop sur ton stream. Et non, je n'ai jamais fait Super Mario World. Sur un jeu sans faire exprès. Et bah tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Malheureusement. T'inquiète pas, on changera de jeu au cours du stream. Il n'y a pas de souci, tu auras d'autres occasions de voter. Et salut Lime. Ah bah c'est bien, vous votez. Vous êtes en forme. Vous êtes en forme. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je vois qu'on a une légère tête sur Super Mario World. Ça fait plaisir. Ouais, sur l'écran directement, vraiment, ça arrive soit sur la gauche, soit sur la droite, plus de ce côté-là. Au niveau de ma main, normalement, il y a un petit logo carré là qui est appuyé. Hop. Et salut, Ifrit. Tous ceux qui viennent d'arriver, on vote, on vote, on vote, on vote pour le jeu de ce soir auquel on va jouer pour tester cette superbe Nintendo, comme je le dis. On a du jeu de grande qualité qui plus est. Et ça fait, ma foi, très plaisir. Bon, je vais pas vous mentir. J'ai bien un bouton Vote Now, mais ça m'ouvre une fenêtre vide. Ah, désactive Adblock, peut-être. Je l'ai pas, ma vie c'est de la merde. Yes. Je sais pas comment ça se passe si tu l'as pas. Je regarde de mon côté également. J'arrive tout de suite, hein, juste une petite seconde. Mais t'inquiète, il fonctionne tes jeux PS2. Comment ça, tu m'as vendu des jeux que t'as pas testé? Non, alors là, c'est inadmissible, je suis outré. Bah pourtant, veuillez augmenter la taille du lecteur pour utiliser cette extension. Ah, il faut mettre l'écran en grand. Mettez-vous en full screen, c'est important, sinon ça ne marche pas. Et là, vous pouvez voter. Et là, on vote. Voilà, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est fluide quand même, mon stream, là? Parce que du coup, je suis en 720p 60. J'ai pas l'habitude, je suis désolé, d'habitude je suis en 1080p 60, ça me déçoit un petit peu que Twitch m'ait lâchement enlevé la gestion de la qualité. Ça me fait mal à mon petit cœur. Donc ouais, ok. Bon, ça a l'air quand même de bien marcher. Toujours pas. Et bah, on sort le smartphone. Ils intègrent un truc officiel de vote. Non, ouais, ils l'intègrent, mais je sais pas le faire fonctionner. J'ai essayé une fois, j'ai cherché des tutos en ligne, j'ai pas trouvé. Donc, faudrait que je me repenche dessus. Et je crois que le truc officiel de Twitch, t'as pas l'overlay. Ça y est, j'ai voté. Et bah voilà. Vous me faites un. On a quand même 4 ex aequo là. 2-16-67 et 2-26-78. On vote. Je vous en prie. Faites ça bien. Faites ça bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, prochainement, les réparations, ça va être compliqué. Je commence à être en dèche. En dèche sale de trucs à réparer. Enfin, en dèche. Façon de parler, bien sûr, c'est que là, ce qui est ici, c'est à faire. Ce qui est ici, c'est à faire. Ce qui est ici, c'est en cours. Et ce qui est là, c'est de la pièce. Ça veut dire que ça a déjà été démonté, c'est HS et ça sert pour de la pièce. Et concrètement, ce qui me reste, ça, je le fais pas en live.
Ça, c'est Ilod. Ça part chez Anno 5. Et sinon, il me reste de la DS Lite et de la PS2. C'est tout ce qui me reste à réparer. Donc, je suis désolé, mais prochainement, je vais devoir être un peu proposer d'autres choses. Qu'à cela ne tienne, j'ai des trucs à proposer, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. Eh bah, désolé, Afrit. Malheureusement, ça va être compliqué. Et vous êtes vraiment en train de me faire un ex aequo encore? Eh, ça va pas du tout cette histoire. Chez toi, on peut s'arranger. Le problème de manque de trop de trucs à réparer. Non, mais ça va éviter. Vos protecteurs auront un cancer. Avec les deux choix. Ouh, c'est pas faux, on pourrait également. Également. Super Mario World ou Super Probotector. Oui, bien sûr, on pourrait. C'est pas bête là-dessus. Je t'envoie ma NES qui part un peu en sucette. Ah bah écoutez, enfin quand la fin du confinement sera. Enfin, quand tu auras, ce sera la fin du confinement, pourquoi pas? Pourquoi pas partir là-dessus? Mais vous inquiétez pas, j'ai quand même des trucs à faire. J'ai quand même des trucs à faire. Notamment de l'Arduino et du Raspberry. Tout à l'heure, j'ai remis en route le Raspberry pour contrôler une voiture télécommandée, une petite voiture à distance via le web. Donc tout ça en web et tout. Donc ça, c'est cool. Et j'ai réussi enfin. Enfin, à installer OpenCV. OpenCV qui permet de récupérer tout simplement un stream d'une webcam. Et donc ça, je suis content. Je suis très content. Donc ça, je voulais le faire me débloquer de ça. Et ça sera un projet qu'on va faire en live. Et que vous pourrez tester chez vous, vous le savez, vous verrez. On va faire un truc cool. Et ça va s'incruster dans les streams très prochainement pour avoir quelque chose de sympatoche. Puis voilà. Donc plus personne ne vote. À voter, ce qui me reste moi à voter. Vous le savez ça. Et comment il va le FF6 Man? Bah tiens, on arrive directement sur ton secteur en plus là. On est sur la Super Nintendo. C'est parfait. Votez pour le jeu de ce soir. Tu vois là-haut, les gens ont voté. Et il faudrait voter pour le jeu voulu. Pour le jeu auquel on va jouer pour tester justement cette Super Nintendo. Qui, je l'espère, ravira cette soirée. Dépannage à distance. Bon, ça devrait aller. Normalement, elle fonctionne. Normalement, c'est un occupé. On a changé son petit fusible. Tout va bien. Elle est repartie de plus belle. Et on lui a fait un nettoyage complet, intégral. Elle est toute belle, toute propre. Son condensateur, le 59, tu sauras me reprendre de toute façon si c'est pas ça. A été changé déjà par quelqu'un d'autre, pas par moi. Ce qui est assez cocasse d'ailleurs. Donc c'est cool. T'en as réparé une cet après-midi? C'est 59. Ah yes, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Donc ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc on va la tester ce soir, voir si elle marche bien. Mon devoir, le C59. Ah oh, bah je vais pas ouvrir la machine. Mais oui, il a été changé. C'est un. Mince. Sur la VOD, tu le verras si tu la retrouves. Mais en gros, c'est un condensateur classique qu'on peut acheter un peu partout. C'est pas des. Que tu peux mettre dans les deux sens. C'est pas un bipolaire, c'est un normal, mais c'est pas un d'origine. Voilà. Voilà. Bah, je crois que vous avez voté. Il était gris. Oh là là là, tu me poses une colle là-dessus. En plus, ça fait longtemps que je l'ai ouverte. Si je m'en vais sur mon YouTube. Merde, c'est pas ça YouTube. Mais non, je crois. Non, il était noir. Il était noir. Noir et blanc. Et contact cartouche nickel. Ouais, on a tout nettoyé. Tout est beau. Tout est beau. Tout est propre là-dedans. Et salut Framboise! Donc en vrai, normalement cette console elle est toute belle, toute propre, et juste au dernier moment, en plus c'est horrible, c'est que c'est quand même terrible, c'est que la console, on la teste, on fait plein de trucs et tout, ça fonctionne. T'as bien pris en follow, j'avais pas vu, ouais ça fait plaisir. Tout fonctionnait parfaitement, et d'un coup, paf, le fusible il a claqué comme ça. On était en train de tester, puis paf, elle voulait plus se rallumer. Bon, bah, ça fait plutôt plaisir. C'est pour ça que ce soir on va faire un test, un stress test. Stress test avec des grosses parenthèses, des grosses guillemets. Parce que
Changement fusible Super Nintendo, il y a une semaine. Est-ce que je vais montrer justement ce fusible, ce condensateur, parce que je crois qu'il est un peu caché. On ne le voit pas. Yes, I. Est-ce que je vais incliner ne serait-ce qu'un petit peu la console? Non. Non, non, non. On ne le voit pas, malheureusement. Bon, bah, tant pis. Mais bref, c'était pas un d'origine, et mais il a été changé. Donc voilà. Ben, je crois qu'on est parti sur Super Mario World, et oui, très très bon choix, je ne l'ai pas fait, il paraît que c'est un très bon jeu. Et puis voilà, tout simplement, on va partir là-dessus, ça fait trop plaisir. Super Mario World. Ça, c'est cool. Je vous avoue que Super Probotector, je le sentais pas. Je sais qu'il faut être skillé là-dessus. Chose que je ne suis pas forcément. Ok, on va mettre en pause la musicasse. On va tout simplement hop, switcher de scène. On a une petite scène 4 tiers des familles qui fait ma foi le taf. Tac. Hop là. Avec une manette de NES pour faire la transition. Alors la scène est un peu décalée. Et voilà. On va couper la musique. Sinon, on va avoir un sacré mix. Alors, ça, je ne connais pas. C'est pas une one chip. Possible. Je sais pas. Je connais pas toutes les... C'est toi l'expert en Super Nintendo, de toute façon. C'est toi le boss là-dessus. C'est qui te fait tes overlays? C'est moi ou Beatdown, qui est modo sur la chaîne. Est-ce qu'on se mettrait pas en B parce qu'on est des beaux gosses? Un player parce que j'ai pas d'amis, et on est parti là-dessus. Est-ce que le son fonctionne bien de votre côté? Est-ce que tout est good de votre côté? Ah, Donkey Kong Country, il faut l'avoir, le Donkey Kong Country, j'ai pas Donkey Kong Country, malheureusement. Mais non, j'ai jamais fait Mario World, mais arrêtez, eh oh, calmez-vous, eh, j'ai le droit quand même. Welcome, this is a dinosaur land. In this strange land, we find that princess Toad is missing again, looks like Bowser is at it again. Ok. Très bien pour le son, parfait. Cette musique mythique de ce jeu, c'est beau. Ce style années 80, oh yes, avec la petite DeLorean en plus, c'est parfait. Ok, donc la princesse a été kidnappée et en gros c'est Bowser le problème. On est parti. Alors, est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais très, très, très mauvais en jeu de plateforme? Oh, une pomme. Eh, c'est joli. Hein. Oh là! Ah, ils sortent de leur truc, trop bien. Eh, j'avoue, du coup, ouais, pourquoi un Donkey Kong Country? Il me manque une caisse, là. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire le 100%, hein. On est avant tout là pour... Ah, oh, I'm pity Yoshi. Vous m'avez perdu avec votre anglais. Bah, en gros, ils ont juste dit que la princesse a été kidnappée par Bowser. En gros, pour faire simple. Thank you for rescuing me. My name is Yoshi. On my way to rescue my friends, Bowser trapped me in that egg. Ah, copain. Et donc là, je peux aller manger la pomme. Ah non, ça c'est pour faire ça. Pourquoi ils sont revenus, eux? Je les ai butés tout à l'heure. Ah bon, à savoir ça, le...
To do a spin jump, press the jump A button. Jump can break some of the block and... Ok. C'est ça un... Ok. What? C'est un dragon, Yoshi? Ouais. Des barres. Celle-là. C'est ça, tu peux. Ah bah, les carapaces. D'accord, donc les rouges, ça nous fait cracher du feu. Et les vertes, ça nous fait cracher une carapace verte, tout simplement. Excellent. Oh là! T'es qui, toi? Yes, I. Reviens! Ah! Come on! Ah bah non! Il est parti. Yes, I. Et bah alors? Ok. Point of design, this is gate marks middle of this area by cutting the tape. Here you can continue from close to this point. Ah, ça c'est bon, c'est-à-dire que si on bosse un. C'est un checkpoint, quoi. Nice. Ah, c'est marrant cet effet qu'ils ont fait. Pourquoi ils l'ont fait plus clair, là? C'est bizarre, ça. De voir quelqu'un qui n'a jamais fait Mario World. Ah, ouais. Oh, une vie. Bah, en général, Mario, j'y ai pas beaucoup joué, hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Sale bête. Reviens. Please. Non. Ah, oh, putain. Top à la con. Bon, reviens. Fais pas ta... Eh, merde. Voilà. Voilà. Zéro réflexe, ça s'appelle. La mort dans deux secondes. C'est ça. Bien vu là-dessus. Ça va, on reprend là. Eh merde, je me suis rapproché trop près de lui. T'as un bouton pour courir? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Faut que je trouve ce bouton. Ah ouais. Oh, mais pourquoi il a ralenti? On a un nombre de vies ou pas? Est-ce qu'arrive un moment où on perd tout? Ah oui, j'en ai plus que 3. C'est triste. Oh, mais c'est pas possible! Et ce qui est chiant, c'est qu'on n'est pas sur émulateur et on peut pas faire de save state. C'est quand même triste de mourir au niveau 1 et je sais pas pourquoi je me fais chier à vouloir le buter, lui. Allez hop, casse-toi. En plus, là, on a un autre œuf. Ah non! Ah si. Coucou copain. Et arrête de flipper à chaque fois, s'il te plaît. Hup. Ah genre il bouffe la terre, il en a rien à foutre. Ok, on avance. Oh, il te manque quelque chose, normalement elles ont une tige hein. Elles ont une tige hein. On va pas me la faire à moi. Là j'ai du temps. Ah ça c'est la fin du niveau, très bien. Tu peux courir avec Yoshi aussi, tout à fait. Mais en même temps il tire la langue. Bon, ok, calmons-nous, je sais je suis mauvais, mais promis, c'est parce que j'essaye, je découvre, même là, enfin non, j'allais dire je découvre la Super Nintendo, non c'est faux, je peux pas dire ça, je l'ai eu étant jeune, mais Mario, je découvre un petit peu quand même. Tu sais pas que c'est un niveau vertical? Point of advice, the big coin are dragon coin. If you pick up 5 of these, in one area you get an extra Mario. Yes! Extra Mario, donc une vie. Ça fait plaisir. C'est pas grave parce que t'es trop beau. Et ça, c'est gentil. Alors, je tiens à rectifier certaines choses. J'ai déjà joué à Mario. Pas celui-là. Et sinon, j'ai jamais...
pointer Mario, genre jouer là comme on va le faire ce soir, autant c'est mort. Ma fille rage en te regardant jouer, et ça c'est terrible. Je suis navré madame, mais je fais vraiment ce que je peux. Moi je suis plus habitué à... Oh là. J'ai paniqué, je vous avoue que j'ai paniqué. Et d'où? Bah voilà, professionnel tout simplement. Voilà. Et une vie. Non! On va boire pour oublier. Très très dur ce qui vient de se passer là. Mais c'est pas grave, après on va speedrun les niveaux. J'ai pas fait le bon niveau. Je suis pas dans le bon sens. Tu peux aller sur la gauche. Sur la gauche c'est plus facile. Cette musique. Allez on y va, on speedrun. Oui monsieur. Alors vous avez dit la gauche, c'est ça? La gauche c'est pas mal je crois. Je crois que c'est ouais. Je crois qu'il y a un raccourci. Non mais en fait là ce qui s'est passé, c'est très très simple. C'est très très simple, il y avait les carapaces et tout et Ouais. Est-ce que vous avez vu, enfin je sais pas, vous avez dû voir quand même le live avec Edouard, vous vous êtes rendu compte que le mec avait un problème au niveau des jeux de plateforme. Oh là. Oh là, c'est quoi ça? Eh merde. Oh, ça me fait chier. C'est pas raccourci, tu verras. Nul. On t'a brûlé certaines choses. Hop. Oups. Elle a redémarré. Et c'est quand même cool, contrairement au jeu CD, c'est que ça se lance vite. Hein. Ok, allez, c'est bon. Et cette fois-ci, on joue sérieux, les gars. On joue sérieux. Bon, je voulais récupérer ça. Oui, oui. Le champignon. Alors. Ok, jusque là on est bon. On n'est pas là pour faire le high score les gars. Okay. Le 100% c'est 96 niveaux. Ah oui effectivement. Oula, j'ai eu peur sur celui-là. Putain je l'avais oublié. Pourquoi j'ai... Est-ce que le jeu a pitié de moi? Oh putain. Pourquoi il m'a recraché une vie comme ça? Mais je me pose trop de questions aussi. Je fais vraiment de mon mieux. Même aussi, vous me soutenez pas. C'est ça le problème, j'ai aucun soutien. Ah, c'est le... Là où il y a le zéro, c'est ça? Ah d'accord, tu peux les stocker. Ah, moi j'étais resté sur celui sur Nefs. Meurs. C'est pire que juste nul là, c'est pas gentil ça. Eh, j'ai trouvé un truc. Ça y est, professionnel en fait du jeu vidéo Mario. Eh oui, je commence à connaître les petits raccourcis, les petits trucs. Ah! Le checkpoint. Yes, I. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Tu peux rester appuyé... Tu quoi? Tu peux... Ah non, tu peux garder un item...
dans la boîte en haut de ton écran. Pour l'utiliser, appuie sur Select. Très bien. Tu peux finir un jour que des millions de joueurs de 11 ans ont terminé avant. Toi, tu peux le faire. Alors ça, alors attends, ça c'est pas gentil parce que les joueurs de 11 ans, eux, ils ont connu le... Non, mais c'est pas gentil. J'ai pas de justificatif là-dessus. Eh merde. Il va être long ce speedrun. Hein? Reviens. Pour récupérer une protection, use X or Y. Utilise le bouton X ou Y. Tout. Récupérer en. Hein? D'accord. X ou Y. Bah non, ça fait rien. J'ai rien en stock. Oui, oui, non! J'ai paniqué. Alors là, Lady, on va tellement pas cracher dessus. Hein. Oh, ça, je veux. Donne. Oh non! Non! Oui. Comment tire? Ça, c'est bien, ça. Eh. Hey. What? C'est quoi, ça? T'es qui, toi? T'es qui dans l'e-sport? Trop facile, ce jeu. Salut, fun sharing. Oh, mais c'est bon. J'ai compris le jeu. Ça va, c'est bon. C'était le temps d'apprendre les patterns, tout ça. Waouh, me dis pas que c'est un... Ah non, j'ai eu peur, c'était un niveau aquatique. Ah, moi, je pensais qu'il y avait que 3 niveaux. Ça va pas. On m'a trompé. C'est quoi, ça? Ah oui. Un max de pièces pour un max de vie. On peut pas le réactiver. C'est marrant quand il court. Il lève son pantalon. Tu peux attraper les carapaces. Attendez, là j'ai peur. Oh! Switch Palace, the power of the Switch! Your page will turn into... Ah! Et t'as sauvegardé. J'ai sauvegardé. Ah, nice! Donc ça veut dire qu'il faut que je refasse les niveaux derrière. Continue and save. Bah, bien sûr. Ça a sauvegardé, là, c'est sûr. Est-ce qu'on a vérifié qu'il y avait des piles dans cette... Oui, si, c'est bon. La PlayStation 5 a des problèmes de chauffe. Allez, j'ai donné des glaçons. Non, mais ça va pas du tout, La console n'est pas sortie. Ils sont déjà en train d'annoncer qu'il y avait des problèmes de chauffe. Faut arrêter 5 minutes les conneries, les gars. Enfin, je sais pas, on fait des PC avec les mêmes caractéristiques que que ces fameuses PS5. Ils peuvent et qui sont très bien refroidis, ils peuvent très bien y arriver. Ah, et là, du coup, faut que je repasse par en bas pour y arriver. Il y a les bras. Ça me suffit quand tu auras des plumes pour voler. D'accord. En fait, je suis le seul à vraiment n'avoir jamais fait ce jeu. Très bien. Très bien. J'ai compris. Meurs. Et là, ça fait un max d'oseille. Mais oui, Yoshi, j'arrive. Ah non. C'est vrai. Peut-être un report au premier trimestre demain matin. Ah d'accord, ok. Donc ça veut dire que c'est pas... Il compte corriger le truc. D'accord. Tu peux aussi jeter en l'air les carapaces, mais ça sert à quoi? Elle est en confinement, pas comme certains qui sortent dehors. Ah bah c'est grave. Ça, on s'en fout. Tu ne connais pas le truc avec la carapace? Bah non. Pas forcément. Ça sert à quoi de manger des pommes?
Ce bruit. Parce que là pour l'instant, je mange des pommes, mais ça me sert à rien. Hop, toi, tu vas pas me la refaire. Eh, reste tranquille. Eh, reste tranquille, frère. Et hop, 8 vies. Eh, est-ce qu'on n'est pas en train de speedrun le jeu, là? Hop là. Hop là. Oh. On mange tout le monde, nous. C'est ça que c'est bon. Affaire Elie Chirac. Ah, c'est bon, j'ai la ref. J'ai la ref, on me l'avait dit la dernière fois. On me l'avait dit la dernière fois. Ah oui. Hop là. Bah oui, ça, de toute façon. Oui, bah oui. Mais oui. Trop facile, ce jeu, en fait. 20. Comment ça, 20? Pourquoi il y a marqué 20? Course, clear. Yes. Et bah alors, on se régale, ici. On se régale. J'étais un peu l'article. Ok, j'irai voir ça. C'est comme des pièces, les pommes. Ouais, mais ça lui... Enfin, ça compte nulle part, non? De ce que j'ai vu, ça avait pas l'air de compter. Enfin, bref. Ok. Eh, hey, je suis chaud ou pas? Eh, hey, ça y est. Bon, je connais... Oh, non! Yo, Yoshi! Ah bah, tu tombes bien. Alors, petite vie. Merci bien. Oh, il y a des trucs en dessous. Ok. Non! Oh, j'ai eu peur. Ah, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas réussi. Ah, je suis chaud du cul, là. Non! Oh, pas encore. Oui, vas-y. C'est mardi. Hop là. Ah, avec les petits bruitages et tout, ça fait trop plaisir. D'où tu montes sur mon dos comme ça, le moustachu. Bien sûr. Aucun respect. Aucun respect, surtout qu'il te sacrifie. Ah, mais j'aurais dû, justement, te sacrifier. Eh. Commence pas à gérer le vidéo game, nous. Ah bah non, j'aurais pas dû. Ah bah c'est pas grave, ça revient même, en fait. Yes, we bet. Hop là, là on est bien. Ok. Yoshi. Ok. Ok, on va pas speedrun là, on va pas speedrun. Ah oui, à chaque point. Oh non, commencez pas à voler vous aussi. Ton doigt appuyé sur courir, tu sauteras plus haut. Ouais, mais ça va trop vite après pour moi. Stomp on an enemy, you can jump high off if you... Ok, the jump button, use up and the control pad to jump high in the shallow water. Comment ça shallow water? Bah alors? Oui monsieur, oui monsieur, professionnel, il faut tout simplement ne pas s'arrêter. Pourquoi il y a une tortue en bas et en haut? Ah! Ah bah non, c'est nul, je suis un peu déçu. Oui. Oui. Tell me more. Oh là 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 là. Trop facile. Eh, heureusement que je suis pas né avec ça entre les mains, hein, parce que dis donc, je serais un dieu là-dessus. Hein. Je vais regarder live.
Eh ben c'est bon ça, si ça vous donne en plus envie de jouer. T'entends les bruits chelous ou pas chez moi quand même? Ah bah là je suis chaud là. Là je suis bien là. Là en vrai ça fait plaisir. Et pour l'instant on a 9 vies. Oh non, me dis pas que c'est un niveau sous-marin. Oh non. Oh, des poissons. Attendez, je reviens 2 secondes. Swatting, non ça va. En vrai, swatting en plus, vous le verrez. Enfin, vous le verrez pas, mais genre la porte d'entrée est juste là, donc en vrai. Non, non, c'est juste ma meuf qui regarde. Comment que se prénomme ce vidéo? Ce vidéo film. Sur Netflix, Casa de Papel. Oh! Ça va me tuer, je le sais. Yes, I. Dirty Dancing, non. J'ai peur. Il y a trop de trucs qui bougent. Attendez. Si je fais avec la langue. Ça marche ou pas? Ou faut peut-être que je monte là-haut? Pas de mouvement brusque. Oui, oui, non. Hey. Professionnel. Professionnel. Non. Non. Ah, on peut monter là-dessus. Je comprends rien. Ah. Et voilà. C'est ce que je pensais. Laisse-moi tranquille. Oui, 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 fais-moi, va-t'en. Tu peux sauter du Yoshi pour sauter plus haut. Ah oui, c'est vrai. Ok. You said bonus stairs. Stairs? If you cut the tape at the end of each area, if you collect 100 bonus stars, you can play a fun bonus game. Fort bien. Ah, ça y est, c'est fini déjà? Tu as toyé Yoshi. Ouais, bah écoute. Oh, ça va, tranquille. Franchement, on gère là. Hein. Je suis désolé, mais moi je trouve que je gère vachement bien là. Je suis pas trop d'accord. C'est pas faux là-dessus. Ah, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Promis, si tu meurs dans cette histoire, c'est pas de ma faute. Final boss. Ah, ça y est, on a fini le jeu. Ah, c'était court quand même, les jeux à l'ancienne. Hein. Franchement, ils auraient pu faire un peu plus de durée de vie. Hein. Wouah, trop bien. Protection animale. Eh, d'où? Mais non, mais elles sont trop stylées. À escalader comme ça, avec leurs gros yeux qui louchent. Excellent. Ah, mais non, elles sont dans l'autre sens. Je peux aller les voir ou pas aussi? Non, je suppose que non, c'est une mauvaise idée, sinon elle serait pas là. Ah! Ah non, elle me dérange pas en fait. Ah! D'accord, c'était... Non! Mourir. Attendez, attendez. Ah, je peux pas relancer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Y'a rien. Ok. Ah! Eh bah voilà. Non! Ouais, mais ils disent pas tout aussi, ils sont mignons, eux. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Eh, j'étais concentré. Et je suis concentré dans ce genre de jeu parce que c'est trop dur, en fait. C'est trop dur pour moi. Vous savez pas, mais ma tête, elle en peut plus, là.
Tu peux leur mettre des coups de poing à travers les grilles. Hop là. Mais je kiffe trop leur tête. Ah, les rouges vont plus vite. Oh, le décor. Ça, j'ai pas compris à quoi ça servait. C'est pas grave. Normalement, c'est censé m'activer quelque chose. Oh, la petite musique en plus, il fout la pression. Ok, et là pour l'instant... Alors ça, c'est pas cool, madame. Oui. Pourquoi je peux pas? Il va pas me dire, oh, t'as pas assez de... One of Yoshi's friends is trapped in the castle. By Iggy Koopa. To defeat him, push him into the lava pool. Et ça y est, je peux me barrer? Tu veux pas? Ah si. Non. Non. Bouton du haut. Merci. Désolé, hein. Ah. Ah, et je suppose que là, j'ai pas le choix. Eh, je trouve que j'ai des réflexes surhumains, frère. Non! Je suis pas bien. Oh mais non, pas déjà. Mais non, ça glisse. Ah, faut que je le jette dans la lave. C'est ce qu'ils ont dit. Mais va dans la lave! Bah oui, bah j'y vais aussi, forcément! Réflexe avec du café, ça va toujours mieux. Putain, mais forcément, je suis tombé! Ils sont pas cool, hein. Mais je kiffe trop les sons, vraiment, c'est trop cool. L'ambiance et tout, elle défonce. Oui. Non, ça c'est pas cool. Alors, le truc de... Ah là là. Ouais, fais le malin, fais le malin, fais le malin. Oui. Mais non. Ça me fatigue. Et la mienne est synchro. Ah bah avec à force de mourir comme je meurs, ça va plus être le... Ça va plus être top. Je suis deg en plus maintenant. Je suis en train de niquer toutes mes vies bêtement là. Il saute pas. Là, j'ai sauté. J'ai sauté. J'ai sauté. Il a pas voulu sauter. J'ai sauté. Vous voyez pas, hein, mais j'ai sauté. Il me faudrait une caméra, là. J'ai sauté. J'avoue. Voilà, le jeu triche. Parce qu'il sait que je suis trop fort. Et il se dit, ouais, le mec, il est en train de nous speedrun, là. Vas-y. J'ai glissé, chef. Allez, s'il te plaît. Give me... Oui, oui, oui. Je l'ai pas perdu. Et ce tremblement de la caméra, ce petit son sourd.
Allez. Eh merde. C'est tout ? Si vous voulez que je vous dise. Un peu trop facile. Mais tu es mort 600 fois. Je suis refait. C'était bien fait pour un jeu d'époque. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Moi, je kiffe ma race. Et bam, le petit carrefour avec un petit pont maintenant. Oh, il y a des fantômes. Continue inside. Of course. Eh, hey, tel qu'on est parti, on le finit ce soir, le jeu. C'est su. Le mec, il croit trop. Ah, je suis trop ambiancé. Professional of the video game. Ah bah écoute, ici on parle avant tout l'anglais. Yes I. Yes I. Ça speedrun. Alors attends, non mais non. Non mais non, par contre ça non. On n'est pas sur un shmup. On n'est pas sur un shmup, putain. Salopard, alors là, toi tu vas mourir. Mais non. Ça fait pas la même chose que Mario. Quoi? Ils ont la plume pour voler. Ah, ça veut dire qu'on peut les... On peut les buter. Le point rouge sur la map signifie qu'il y a un niveau caché. D'accord. Donc si je les bute, j'ai la plume. Bon, bah c'était pas long, mais c'était sympa cette plume. Allez, je me casse. Moi, je l'aime pas, celui-là. Pardon ? Pardon ? Mais attends, c'est une feuille. Putain, j'avais 10 vies. J'avais 10 vies, j'étais trop bien. Et là, je suis plus très trop bien. Désolé, hein, c'est un peu désastreux ce que je vous propose ce soir, mais vraiment, les jeux de plateforme, c'est pas ce qui me fait... Enfin, c'est pas là-dessus que je suis le meilleur. Alors toi, frère. Putain, il m'agace. Mais non! Eh, ça a pas sauvegardé là. Là, si j'éteins et je rallume, je récupère. Oups, j'ai ripé. Ah, j'ai quand même beaucoup plus avancé que Mario. Hein. Ça rage quitte déjà. Mais non, regardez. Hop. Ah, mais non, 5 vies. Ah, oh, putain, il sauvegarde, l'enculé. Désolé pour les grossièretés. Mais promis. Promis, c'est la passion du jeu vidéo, en fait. Allez. Allez, on speedrun. Oui, monsieur. On est avant tout là pour le beau jeu. T'es grand mort à toi. Oui. Oui. Ah, alors toi. À la place d'un Yoshi. Oula. Alors, ça, non, c'est pas cool. Ça, c'est... Ah bah s'il avait une R11, ça serait compliqué. Ah, ça je peux monter dedans. Hé hé. Mario caché. Ah oui. What? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah. Quoi? Mais je comprends pas. Ah oui, ça je veux.
Oh non! Je peux pas redescendre? Oh non, je suis deg, j'ai gagné qu'une vie dans cette histoire. Je suis un peu deg là-dessus. T'es grand mort! T'es grand mort! Oui. Nagi! Allez! Viens te sacrifier! Oh! Oui, monsieur! Meurs! Mais c'est quoi ces baseballers? Mais c'est trop bien, Yoshi! C'est complètement cheaté! Oh! Reviens! Mais non! Il bouffe les fleurs, Yoshi. J'en ai marre. Promis, je fais de mon mieux. Et je vous ai dit que j'avais réussi à faire avancer la R11 dans Unity. Je vous l'ai dit ça ou pas? Pour ceux qui sont sur le Discord, bien sûr, vous le savez. Allez, t'es grand mort. Ça, c'est bon, ça. Oh bah oui. Oui, monsieur. Hop là. Ah, il veut pas y aller. Ah non. Non. Ouf. Donne-moi une vie, s'il te plaît. Oh! Tu veux plus m'en donner, je parie? T'es jaloux parce que tout à l'heure je suis passé. Non! Cette chatte de ouf. Non, ça s'appelle du talent, monsieur. Ça, c'est complètement différent. Complètement différent. Allez, give me my Yoshi. Reviens! Oh non! Je peux pas le manger! Non! Putain de Yoshi à la con! C'est pas possible! Une vie! Désolé Yoshi, mais je vais t'abandonner, putain! J'aurais dû l'abandonner, ce salopard! J'ai tout tenté, vous m'avez vu paniquer, vous m'avez vu! Eh, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. S'il faut pas que je cours. Allez, on va courir. Eh non. Ouais, mais attends, tu t'en vas comme ça? Tu préviens pas? Bon, là-dedans, au moins... Je suis désolé, une SS, et là je suis mort de rire. Bah écoute, tant mieux si ça vous fait rire. Mais moi j'ai un peu le seum, hein, pour le coup. J'ai un peu le seum. Je commence à avoir très chaud en plus. Il fait combien de... Yes, il fait 25 degrés dans la pièce actuellement. Je vais ouvrir la fenêtre. Non mais, je veux pas faire mon rageux. Je veux pas faire mon rageux, mais c'est avant tout les conditions qui ne sont pas propices à ce que j'y arrive. Là c'est bon. Je me casse au bout d'un moment. Oui, bah ça va, t'es censé être mon fidèle destrier. Bah yes, ça c'est pas bon jeu. Je suis en coucou. Non mais c'est trop ça. Il s'est tellement vengé. Il s'est tellement vengé le jeu. J'ai trop envie de voir un... Eh merde. Ouais, on me l'a dit ça tout à l'heure, pour la cape. Oui, meurs! Yes! Ça, c'est une petite... Tu vois, ça ne sert à rien, parce que... Oh! Oui!
court mais intense. Ouais ouais, toi reste là où t'es, reste là où t'es frère. C'est bon. Mais régalez-moi un petit peu. Ah non, comme j'ai déjà eu ma vie, en fait, j'en aurais pas d'autre. Alors là, pourquoi j'ai pas mouru? Pourquoi je ne suis pas décédé? Ah! Je me casse. Vous me faites chier. Reviens! Meurs pas! Non! Non! Oui. Non. Bon, bah Yoshi, je t'abandonne, hein, tu me fais chier. Allez, c'est bon. Non mais attends, ça veut dire que depuis tout à l'heure, là, j'aurais pu finir le jeu, là. Ah mais Yoshi, il en a rien à branler, en fait. Yoshi, dès qu'il a décidé qu'il se barrait, je peux courir à côté de lui. Non. Non, je ne te vois pas. Va-t'en. Non mais on est d'accord que là, le jeu il a dit franchement frère, tu me fais trop pitié, franchement tu me fais vraiment trop pitié, allez vas-y, tiens, finis le niveau, c'est bon. Fous-moi la paix, ouais bah c'est bon aussi, sois sympa. Il veut même pas rester avec moi Yoshi, il est pas cool. Oh, ah non c'est quoi ça? Ah, il y a une résonance. Quoi? Il y a un truc qui vole. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait taper son meilleur demi-tour. Mais non, mais qu'est-ce... Non mais c'est quoi cette cave? Oh non j'aurais dû passer. Non, non. Ah, ah, ah. Non, non, non. Mais on peut pas les tuer. Ah si. Mais putain. Il y a des ennemis, tu pourras les tuer. J'ai fait un game over, ça fait quoi? Ça fait quoi? Et bienvenue à toi, Toon5994, merci du follow, bienvenue. Oh non! Je recommence pas tout! Attends, il me fait recommencer quoi là? Quoi? Ok. On speedrun. On a 5 vies, on en perd 0. C'est bon. Tranquille. Là, on a une vie. Ferme-la, frère. Voilà. Hop là. Ça, c'est toujours bon à prendre. Ce fut court, mais intense. Une fois de plus. Ok, on est bon. Toujours sur une vraie SNES, tout à fait. C'est pour la tester, parce qu'en fait, on l'a réparé en live, et... Oh, ici ça sert à rien, il n'y a jamais de vie pour moi, de toute façon c'est des crevards. On l'a réparé en live et là on la teste pour voir si elle tient la route. Allez, viens là frère. Allez, c'est bon. Ouh.
Avec quoi? Bah à la base pas grand chose, juste un besoin d'un énorme coup. Je viens de découvrir la chaîne. Ah bah après elle est en rediff sur Twitch, hein, y a pas de souci. Sur YouTube, je veux dire. Si tu veux vraiment la voir. On fait que ça ici, on fait beaucoup de on fait beaucoup de réparations ici. Et à la base elle avait juste... Alors déjà moi je trouve ça bâtard qu'on puisse pas sauter sur les balles de baseball. Ok, ok. Et y a pas une vie là? Et à la base elle avait juste besoin d'un coup de nettoyage. Oh, oh, j'ai menti. Oui. Comment le jeu il me ralasse. Elle avait juste besoin d'un coup de nettoyage et on l'a toute nettoyée et tout. Et puis au moment de... On l'a rallumée, on a joué avec. Et après j'ai voulu la rallumer et... Le fusible avait lâché. Putain. Le fusible avait lâché. C'est frustrant. Un petit peu. Un petit peu frustrant. Qu'on reverra par ici. Ah bah c'est cool. Eh bah bienvenue à toi. Hop là. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir ici. Oui, monsieur. Putain, mais j'en ai marre. Allez, c'est bon. J'en ai rien à branler. Hop là, toi, tu perds tes ailes. T'avais pas envie de voler, de toute façon. Toi, toi, non! Tu répares ou tu remplaces les lecteurs GD-ROM de Dreamcast? Ouais, carrément. Enfin, je fais de tout. Après, faut voir ce qu'il a ton lecteur. Qu'est-ce qu'il a? Il lit plus du tout les CD, il fait du bruit, il claque, il fait du bruit. Qu'est-ce qu'il a? Faut regarder hein, les lecteurs, de toute façon, c'est assez capricieux. Salut Tony! Ok. Ok, ok. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. 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 Non. Non. Oui, oui. Non. Putain. Ah, mais c'est pas possible. Alors ça, par contre, c'est inadmissible. Les balles ne passent pas à travers les murs. Enfin, je suis désolé, la physique, un minimum. Et salut à toi, Lazar Live. Oh, ça me fait chier, ce niveau il me fait chier là. Oh, j'ai trop envie de voir un speedrun, voir à quoi ça ressemble. Putain, mais je fais la même connerie à chaque fois. Alors, déjà, ces mecs qui font du baseball, ils ont rien à branler ici. Putain. Non, mais les gars, c'est inadmissible. Dans le cas, vous en suivez pour lecteur HS, c'était simplement le switch du capot qui était mort. Ah oui, ça par exemple, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Quand c'est juste le switch, un petit coup de nettoyage. Et c'est très très simple à tester en plus. Donc vraiment, les lecteurs, franchement... Oh, merci. Merci X Loudi pour l'hébergement. Ça fait extrêmement plaisir. Ok. Ok. Et coucou. Oui. Oh, j'ai pas perdu ma vie. Oh. Et là, normalement, si je bouge pas, voilà, je le maltraite. Et là, on va fly tout simplement jusqu'ici. Vais-je pouvoir voler après ce niveau? C'est une blague. Non. Oh. Fait du bruit, mais il ne fonctionne pas. Ok. De toute façon, il est bruyant de base, le lecteur de Dreamcast. Oh putain, encore une vie. Ouais, il a vraiment pitié de moi, le jeu. Il a vraiment pitié de moi. Il a vu que j'arrêtais pas de perdre des trucs depuis tout à l'heure, des vies. Oui. Il a vraiment pitié de moi. Tu
tu peux taper avec la cape. Pardon ? Quoi ? 3 vies ? Oh ! Mais non ! Alors attendez, vous m'avez menti ! C'est pas possible ! J'ai perdu ma cape ! Oui, je vais pas perdre Yoshi ! Non ! Concentré. Allez, là en speedrun. Ah, c'est bon, j'ai perdu un... Eh, on a gagné une vie dans cette histoire. Est-ce qu'on a, on a rien vu? On a rien vu, tout va bien en fait. Oh, je suis désolé, mais vraiment, j'ai tout donné là. Et dans le message de raid, il y avait un avec de trop. Ah merde! Mais pourtant, je l'ai corrigé ça. Ne bougez pas une seule seconde de votre chaise. Le bol, alors non, alors déjà, alors c'est du talent, c'est avant tout du skill, c'est de l'entraînement jour et nuit pour en arriver à un niveau pareil. Non mais je suis désolé, c'est pas du talent, c'est pas du... Oula, non je me trompe. C'est pas de la chance. Ok, alors attendez, juste 2 secondes, alert box, parce que de toute façon si je le fais pas en live, je le ferai pas parce que j'y penserai pas. Donc tu dis le message de raid, il a un avec en trop. Bah non. Peut-être le message de host, à ce compte-là. Ah, très bien. Bien vu, c'était le message de host, et pas de raid. Et oui. Alors sachez que, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais vous le redire une dernière fois. Je joue en 16/9e. Non, je l'ai le nombre de viewers, il est enlevé exprès en fait. J'évite de m'attarder sur les chiffres. Mais je crois que ça s'écrit en clair dans le chat de toute façon. Ah non, vous héberge, c'est tout. Nickel. Eh, on se met pas la pression ici. Oh là. Oh non. Oh non. Mais non. Reviens. Oh non. Il est où? Oh, il est là. Reviens. Oh. C'est 16/9e chez moi. Calmez-vous. Vous ne voyez rien. Je n'ai rien dit. Sans le bon overlay. Ah bah ça. Je t'attendais. Laisse-moi tranquille. Oh. Pardon, c'est quoi ces trucs de sable là? Ah, on peut spammer. Oh. Oh. Ah non, c'est bon. Tout va bien. Tout. Non. Non. Oui. Professionnel en fait. Tout simplement pour le spectacle que je fais ça. Oh non. 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 J'aurais dû te laisser crever, Yoshi. J'aurais dû te laisser crever. Putain, on est morts tous les deux. Viens à toi. Non, viens pas en fait. Viens pas. Laisse-moi tranquille. Ah. Quoi?
Quoi? Je suis outré. Est-ce qu'elle va décéder? Ah, elle a bugué, vous l'avez vu? Oh, oh non. Mario Bros 2. Mario Bros 3. Bah pareil. Hop là. Hop là, bonhomme. On va pas se faire avoir, on va prendre de l'avance. Mais ils me font chier les chauves-souris, ils bougent chouette là. Ça me... Oh. Oh là là, oh là là, oh là là. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Mais oui, effectivement, Super Mario Bros 3. Bah, Super Mario Bros 3, du coup, on le testera plus sur NES, pour le coup. Mange-les. Mais je peux pas. Ah. Ah. Oh. Yoshi. Mais non, mais je m'en fous. On est dans une grotte. Je veux pas voler. Allez. Oh non. Oh là là. Quel professionnel en fait. Je suis un professionnel du vidéo game en fait. Oh. Je le sens pas. J'ai bien fait. Professionnel. Professionnel. Allez. Ah, je peux pousser le niveau? Oh non. 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 Oui. Ouah. Ah, c'est quoi ça? C'est trop mignon. Ah oui, monsieur. Oui, monsieur. Trop facile, le vidéo game, en fait. Désolé, je me concentre de ouf. Je crois que je parle pas beaucoup. Tu es fort pour appuyer très vite sur un seul bouton. Oui, je suis relativement fort, effectivement. Ouais. Non, je sais pas pourquoi tu me demandes ça. Ah, il y a des fantômes. J'aime pas les fantômes, ça me fait peur. Ghost House. Eh, mais c'est méga stylé comme petit décor. Oh non! Bah. Ah, je ne peux pas leur sauter dessus, car ce ne sont pas des carapaces ou des champignons. Ce sont des fantômes, on ne saute pas sur les fantômes. Au pire, on passe à travers, mais là, on ne peut pas. Speedrun, frère! C'est les fantômes qui te sautent dessus. Ah, c'est pas les fantômes, si tu les regardes, ils s'arrêtent. Ah! Ah! Mais non! Bah non! Mais il faut faire quoi là? Alors, je suis dans la navrance. Mais là, excusez-moi, à part la décédence, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Allez, speedrun. Ok, on est bon. Ok. Je fais quoi là? Hein? Mais je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Faut que je tombe? C'est ça? C'est ça la chose?
Attends. Ah! Mais pourquoi il glisse? Tape le carré jaune. Bah, je sais pas, faut tomber, c'est ça? Faut tomber? Moi, j'allais tomber. This is a ghost house. Can you find the exit? Hihi, hihi. I don't get lost. So funny. Ah! Non! Mais il glisse. Faut que je fasse cette... Faut que je tape là-dedans? Non! Mais non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Eh, on a... Il y a un truc qu'on n'a pas essayé, c'est de changer de jeu. Vous savez, voir si la console, elle gère un peu les changements de jeu, tout ça, appuyer sur les boutons et tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que, ouais, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de changer de jeu un petit peu. Parce que, faut qu'on teste un peu tout, hein, c'est important. Hein. Mais c'est vraiment pas parce que, parce que je suis mauvais à ce jeu-là. Vraiment pas, hein. Je tiens à le dire. Un peu de musique peut-être, sur le bon PC peut-être. Fais Tintin, tu vas rager. Eh ben écoutez quoi. Je vais vous tout simplement, on va refaire un petit vote. Rapidos, on va faire ça rapide. C'est pas du tout, hein. Mais non c'est pas, attends on a fait une heure, une petite heure. C'est vraiment, non vraiment c'est... Bart, il fait grève. Et tu te prends pour qui, toi? C'est vraiment pas du rage kit. C'est vraiment pas du rage kit. Sachez-le. C'est vraiment pour tester la console. Eh, on n'est pas là pour s'amuser, hein. On est là pour travailler, les gars. On est là pour tester cette console. Hein. Attends, je vais pas la filer à mon frère pour qu'il me la ramène en me disant « Ouais, j'ai changé de jeu, ça marche plus. » Alors... Street Fighter. Street Fighter, juste marquez-vous ça avec ces Super Nintendo, de toute façon vous connaissez. Tintin, le temple du soleil. Ok. Super James Bond. Et le dernier, Probotector. Super Probotector. Ça part en vote. Je vous invite à voter, jeunes gens. Faites-vous plaisir. J'ai pas remis forcément Super Mario World, hein, parce que tout simplement, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Je vois déjà un vote pour... Eh hey, ça chauffe, hein. Ça chauffe, ces petites choses-là. Bon, elle est très légèrement, bien sûr. Hein, on reste sur pas quelque chose d'énorme. Sachant que vous avez vu mon skill en jeu de plateforme. Vous le savez. Donc, ne soyez pas étonnés si vous mettez un Super Probotector... Et que malencontreusement je sois très mauvais. Alors après j'aurais pu proposer d'autres trucs. Salut Malcor. J'aurais pu proposer ça. Pilot Wings. J'aurais pu également proposer ça. Spider-Man X-Men. Mais également ceci. Marvel Wars Gems. Également Super Mario All-Star pour se faire des classiques de la NES. Et oui. Mais également Super Star Wars. J'aurais pu proposer tout ça. Le War of Gems. Non. Pourquoi? Il est bien. On sent les fans de la NES ici. Ce skill mériterait de s'attaquer à Tintin.
Ah moi, Tintin, ça va complètement. Ça me va complètement. Mais j'aurais pu également proposer moult jeux de Game Boy. Bah oui, bien sûr. Ou encore... Là, j'exhibe juste... Eh, regardez tous les jeux que j'ai. Eh, on vote, là, hein. J'en vois qui votent pas, là. On va voter, c'est important. J'ai attendu le bon moment pour le faire l'égalité. Il y en a, ils sont là vraiment pour la performance, en fait. Il y en a qui sont là pour faire l'égalité. Et ça, c'est beau. Ça, c'est du beau jeu. Par contre, allez, on vote, s'il vous plaît. Vu le carnage, Mario évite Tintin. Effectivement. J'aurais pu proposer Jurassic Park. Je sors tous mes jeux. Je suis vraiment un enfant. Moi, je vote pour Driver R11 édition. Bientôt. Utopia. Petit jeu de gestion. Bon, bah, Street Fighter 2. Mais bon, le pas turbo, donc pas trop d'intérêt. Doom. On aurait pu jouer à Doom. Mais bon, c'est chiant. C'est un peu chiant de jouer à 2 FPS, quoi. C'est un peu relou. Ouh, Killer Instinct. Ici présent. Et oui. Et je commence à en avoir pas mal des jeux de NES au final, là. C'est pas mal tout ça. Y'en a qui ont déjà joué à Utopia ou pas? Ça, là. Ça, je l'ai acheté en brocante. Je sais pas combien je l'ai payé. J'ai sûrement dû le noter quelque part. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à ça? Nope. Personne? Et après, c'est beaucoup de jeux de Game Gear. Ah, je crois qu'on part sur un Super Protector. On avait déjà essayé Super Protector plusieurs fois pour tester justement cette console, histoire d'être sûr qu'elle fonctionne bien. Jurassic Park, ce jeu m'a terrorisé dans mon enfance. Hein. Je tiens à le dire. Je tiens vraiment à le dire. Quand j'étais jeune. Le prix de War of James, pardon. Jamais trouvé Utopia. Salut Craft Movie. Je regarde de ce pas le price de War of James sur l'outil eBay. Ah oui! Bah pourquoi? Pourquoi il est si cher? Pourquoi il est si cher ce jeu? Qu'est-ce qu'il a de si... De si exceptionnel que ça? Bah ouais. Sous vide dans un coffre. Bon après, je vois qu'il se vend quand même plus en loose à une quarantaine d'euros. Il se vend à une quarantaine d'euros en loose. 35. Par contre, la version en boîte à 370 euros, qui se vend en plus. Ça, c'est assez terrible. Ok. Bah bon, à savoir que ça vaut son pesant d'or. Ok. Bon. Vous avez voté? Tout le monde a voté? Est-ce que tout le monde a voté? Je veux que tout le monde vote là-haut, là. Pour le choix du jeu de ce soir. Sur lequel on va finir cette soirée. Sûrement clôturer cette soirée, d'ailleurs. Sur un petit jeu. Pourquoi pas. Sur le dernier jeu. Alors, est-ce que ça va finir sur Probotector? Là, tel que c'est parti, c'est bien le cas. Probotector qui est contraint, hein, je crois, outre-Atlantique. C'est beau. On se souvient qu'il nous a fait une belle frayeur, ce jeu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on l'avait testé, il nous avait fait un petit peu peur. Il nous avait fait un petit peu peur, car tout simplement, il voulait pas se lancer. Oui, on a même changé son condensateur. Il y a un condo dedans et on l'a changé. Et au final, c'était vraiment qu'il était dégueulasse. On l'a bien frotté, bien récuré, il est revenu à la vie. Mais un peu plus, et on n'avait pas de Super Probotector, c'est un peu dommage. Ok, et bah je crois qu'on est parti sur Super Probotector. Je vois que vous êtes chaud du huc. Bam, on part là-dessus.
Et ça se lance du premier coup. Bonne chance, mec, je sais. Je vais en avoir besoin, je te remercie. Je commence déjà à m'échauffer. J'ai plus l'habitude d'être debout, hein, avec ce confinement, je marche plus. C'est terrible. Ok. On va tout donner. Il y a des options. Player. C'est quoi? Ok, très bien. Parfait. Un joueur. Bon, ça devrait aller. Ah, c'est le skin du joueur. Ah, c'est les V-Player, d'accord. Je pensais que c'était le skin. Et ce qui est marrant, c'est que dans... dans ce jeu, il faut... il faut... Pourquoi je peux pas tirer en bas, là? Eh merde. Salut, Pomme. Ah si, en sautant. Il faut sélectionner ce que tu achètes, tout simplement. Oh non, je l'aime pas, lui. Le clébard. Ah mais non. Bon, attends. Oh, c'est pas cool. Bon. Pas facile. Parce qu'il y a du monde qui se promène, en fait. On est dans une rue passante. Ah, mais il y a la musique qui tourne en même temps. Navré. Pour cette bouillie... auditive. Navré. Meilleur à Promotector qu'à Super Mario. Je prends ça comme un compliment. C'est quand même sympa, c'est... Ah, putain. Oh là là, en fait, ce qui est chiant, c'est que c'est vraiment... Ah là là. Meilleur à quoi qu'à quoi, t'as dit? Ce qui est chiant avec ce jeu, c'est que vraiment, c'est une balle à mort, quoi. Tu décèles instantanément. Ce qui est un peu... ce qui est un peu dur. Ok. Faut connaître où sont les ennemis, en fait. C'est un jeu Konami, tout à fait. Oh non! Non. Tu peux te mettre à 7 vies, mais je crois que c'est ce qu'on va faire. Sinon ça va pas être juste pas agréable pour vous. Non, je veux pas ça. Oh non mais attends, on voyait plus là. Et là le clébard. Ah non, les clébards ne viennent pas. Quoi? Je suis mort de qui? D'où? Quoi? Bah attends, j'étais en train de regarder l'animation. Regardez l'animation du truc qui se casse. J'ai perdu. Ah, c'est facile comme jeu, je trouve. Le niveau 1, il est... Là l'objectif, hein, je tiens à le dire. Je tiens à le dire, l'objectif, c'est juste le niveau 1. C'est l'objectif de ce soir. Je tiens juste à le dire. C'est comme la dernière fois avec Sailor Moon. Hein. L'objectif, c'est de battre une personne. Tu vois, on n'est pas là pour finir le video game. Hein.
Mais pourquoi il tombe de temps en temps? Ils viennent à l'infini les ennemis ou pas? Ok. Oh non! Non! Ok, 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 ok. Ok, quand j'ai vu Karim de Bâche... Quoi? 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 Quand j'ai vu Karim de Bâche jouer à ce jeu... Attends, c'est Karim de Bâche qui joue à ce jeu? Je ne sais plus. Ah, on peut le prendre ça? Oh! Ah, ça c'est pas mal. Faut juste à avancer. Ah, notre vaisseau est en train de perdre la vie, notre tank. Non, c'était pas Ivan Kaiser, je connais pas du tout. Oh! Ah d'accord, mais ça prévient pas aussi, moi j'étais pas au courant. Et mais il le fait d'une aisance. C'est soit lui, soit Choncal, soit... Je sais plus. What? Oh non, c'est un boss. Ça, c'est un... Pardon? Mais non, mais tu fais... J'ai fait... J'ai quoi à faire, là? C'est la fin du niveau. Ouais mais attends, il y a 6 boss dans le truc. Oh non. Pardon. 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 Allô. Quoi? Non mais on n'ira jamais aussi loin. J'ai tout donné là. Je ne parlais plus. Et t'es plus dur que maintenant. Ah ouais, non mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais fou. Dis donc. Pas évident cette histoire là. Ah ça va, on recommence pas à zéro. Konami Code. Ah c'est pas faux là-dessus. Bon on va attendre la petite animation. J'avoue que l'avion est méga stylé. Et ça, c'est grâce au super zoom! Non, non, non! J'ai paniqué. Non mais sérieusement? Quoi? Ok. Mais non mais saute! Désolé hein, pour cette piètre performance. What? Ah! Ah ça c'est le boss. Thank you.
C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Me dites pas que je recommence à zéro. On recommence de loin, mais on va essayer de pas perdre toutes nos vies maintenant. Ok. Ouais, c'est assez au poil de cul, effectivement, Nimara, t'es bien... T'es sur les bons termes, effectivement. Ah non, mais ça, c'est terrible. Moi, je regardais. Je trouvais ça joli. Ça passe au poil de cul, effectivement. Hein. Là, enfin... Là, je... C'est pas ce que je voulais faire. Oh ! Trop stylé. Donc là, on sait qu'il y a ça. Ok. Et merde. Déjà, quand tu sais que t'as deux robots qui viennent te livrer deux... Ok. Il est stylé, le méchant. Hein. Le boss de fin. C'est une tortue. Et merde. Elle a décidé de souffler un bon coup ce soir. Mais grave. Quoi? Mais qui m'a touché? Mais non! Ah putain! Je panique un peu. Hein. Je sais pas quoi faire avec ces moustiques à la con là qui s'envolent. Ah mais elle est dégueulasse en plus cette bestiole. Drop de bombe, tu penses que ça fait beaucoup mal la bombe là-dessus? Oh non! Oh non, 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 j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. J'ai fait ça. Ça vous frustre jamais quand vous avancez autant? J'ai déjà envie de quitter le truc, j'ai déjà perdu 12 vies. Comment on fait? On est obligé d'appuyer sur reset en fait, si tu veux remettre vraiment le truc à zéro. Oh, je suis trop deg, putain, d'avoir perdu ça. Tu peux passer le Konami? Je savais même pas. Et ça, on a failli finir le stage WAD quoi, je suis deg. Ça, on est d'accord que c'est un jeu qui était à la base sur borne d'arcade. Ça, sur borne d'arcade, tu fais un crédit, on est d'accord. Ah ouais, d'accord, on est d'accord. Bah du coup, tu faisais vraiment un crédit. Non ! C'est pas ce que je voulais faire, putain ! On est d'accord que le scénario il tient sur un bout de papier de ce jeu. Putain, les balles vont plus vite que toi. Quoi, tu finissais en one shot? C'est une blague, j'y crois que très peu. Ah mais non, mais d'où Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien.
Oh non! Je fus meilleur tout à l'heure. Quoi? Saloperie. Ok, on prend les bombes. A2 déjà plus simple? Ah ouais, d'accord. Ok, concentration, concentration, on va y arriver. En tout cas, je suis vraiment satisfait de cette console. Hein. C'est vraiment terrible. Hein. Elle est trop bien. SNES, j'y ai pas beaucoup joué parce qu'en même temps, j'avais la PS1 et tout. Ah. Ah non, je l'avais oublié, lui. Un timer, tu passes. Ah! C'était trop bien. Killer Instinct, je l'ai aussi. Mais c'est un jeu. C'est un versus, donc c'est un peu différent. Ok, c'est bon, on a rattrapé. Eh, facile le jeu. Eh, là, le petit avion qui passe. La bombe, on va la garder pour la tortue. Ok, concentration. Ça, on connaît. Mais je vais pas vous mentir, je suis assez fier de moi. Enfin, je connais mon niveau en jeu de plateforme. Je suis assez fier de moi de ce que je suis en train de faire. Un jeu dur à finir, Axelay. Non, non, mais non, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, hein. Les jeux durs. Sauter si besoin. J'ai mis du level up. J'arrive. 2 secondes. A plus Ifrit, merci d'être passé. Bougez pas. Je vous mets un peu de musique. En attendant, j'arrive tout de suite. Je suis pas loin, promis, je suis pas loin, mais c'est pour le bien que je fais ça. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Vous avez sûrement pas envie de voir ma carte d'identité en tant qu'overlay. Si avec ça, on ne gagne pas, je ne comprends pas. J'ai même pas centré le texte. Oh là là, ça va pas du tout. Oh non, attendez, j'ai fait quoi? Pourquoi continue 2? Ah, c'est parce que j'ai 2 crédits pour le continue, ok. Ok. Ah non. Oh non. Ah si, c'est bon. Merci encore à Bedown, tu gères sur les overlays comme toujours. Cet avion, il est vraiment trop stylé. Ah ouais, la petite goutte de sueur froide là, j'avoue. T'as même les animations et tout, enfin tout est mouvant sur l'écran, c'est trop stylé. J'avoue que ce jeu, ils se sont gavés en vrai. Il est vraiment trop beau. Eh merde. Attends, j'étais sur la plateforme. Ouais, je vais sauter. Qui était stylé en plateforme aussi. Ah, Ninja Gaiden, je l'ai sur Game Gear, je l'ai pas sur SNES. Ah bah j'ai sauté. Ok. Ah oui, ça on peut tirer.
Ok. Ok, on est bon. Oh non, j'en ai réussi à oula, j'ai réussi à en choper qu'une. Tristesse et chocolatine. Ok, 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 on va y arriver, on va y arriver. Quoi ? Je suis mort de quoi ? Cherchez pas, il est trop facile ce jeu en fait. Si vous voulez, je peux vous faire des tutos, je peux vous apprendre si vous voulez également. Enfin, vous voyez avec quelle aisance je finis ce jeu, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a ce niveau. Le super zoom. Ah, c'est des mines. Ok. C'est contre à 3, 2... Ouais. Ouais, il me semble que effectivement tu as raison là-dessus. C'était bien contre à l'époque. Donc les gâchettes servent juste dans ce niveau. C'est la première fois que je me sers des gâchettes dans un jeu Super Nintendo. Ok, on est pas mal là-dessus. Il est stylé ce niveau, mais il fait un peu mal à la tête avec la déformation. La musique est folle. Ok, ça va qu'ils sont cons quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a, s'il y a d'autres armes, effectivement, ça pourrait être sympa. Pour l'instant, ça va. Hein. Silence roquette. Comment ça c'est par là? Ok. Ah ça y est, c'est fini. Certainement eu des robots à cause de famille. Quoi ? On a eu des robots ? À cause de famille de France ? Merci Ségolène Royal. Ah parce que c'était pas des robots, normalement c'était des aliens ? C'est ça ? Là on est sur un shmup, hein. On est d'accord. Allez, on va buter tout ce qui peut me tirer dessus. Je vous jure que je tourne dans la vraie vie. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, moi aussi, les jeux vidéo, ça rend violent. Hein. C'est pour ça aussi. Si on avait eu des mercenaires avec du sang, ça aurait été compliqué. Oh tiens mon pote.
Aïe 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 aïe, il est énervé, il est énervé. Enfin moi ça me dérange pas, il est bien le jeu. Oui 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 oui. Oh là, j'ai eu chaud au cul. Allez ta tête là, montre-moi ta tête. Ah, fait chier. Bombe, effectivement. Ok, faut tirer dans l'œil. Non, 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 j'ai oublié de reculer. Ok, ok, on est bon, on est bon, on est bon. C'est vrai. Quoi? Oh le bâtard. Pardon? Pardon, mais tu fais quoi là? Tu fais quoi? C'est un peu vomitif hein, cette histoire de super zoom. C'est beaucoup trop stylé, je trouve, de l'avoir fait. Et c'est un peu vomitif. Ouah, mais il est trop dur. Comment ça court? Je peux pas courir. Oh là là. Le JPEG zoomé, non mais c'est trop ça. On est sur un beau gros PNG des familles. Bourleux, bah je fais ce que je peux. Oh là là, n'empêche, il est hyper détaillé ce jeu, c'est vraiment stylé. Je crois qu'il est mort. Je l'ai défoncé. Quand il descend, tu peux arrêter de bouger. Ah, d'accord. Ouais, écoutez, hein, là pour l'instant, on se régale. Moi, je passe un très bon moment. Eh les gars, stage 3. J'avais dit quoi? J'avais dit, on fait le stage 1, ça sera déjà une grande chose. Là, je pense que ça va être une galère. Encore lance-flamme. Une petite bombe des familles. T'es qui toi? Pardon? Alors ça c'est chiant. Ah bah si, je suis content. Très content de mon achat. Quel achat? Je me rappelle plus de ce que je t'ai fait acheter. Eh merde. Mais non! C'est une blague. C'était le futur quand même ces jeux. Quoi, il y a des fées maintenant? Ender 3 pour... Ah bah oui. Effectivement, là tu vas être... Tu vas être ravi. Elle est vraiment très très bien cette imprimante 3D. Moi, en tout cas, j'ai... Quoi? Oh non! Je suppose qu'il faut que... Ah non, bah oui, forcément, c'est bien ce que je pensais. Ok. J'ai du mal. Eh hey, merde. Oh là. Ah.
D'accord, je peux lâcher la bombe là. Pardon ? Pardon ? Non mais... genre il s'est activé, il s'est genre activé en mode ventilo. Je... D'accord, tondeuse. Oh non ! Ah, ces jeux! Ah, ces jeux où il n'y avait pas de sauvegarde! Non, parce que la sauvegarde, waouh! 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 Bah, c'est cool! C'était. C'était super. En vrai, c'était. Allez, maintenant, tu le refais sans perte de vie. Non, mais sérieusement, les mecs, faites une sauvegarde, faites quelque chose! Non mais, attends, Super Mario World, il le sait très bien le faire, et lui sait pas le faire. C'était la grande difficulté. Non, bah arriver à un moment, arrêtez les gars, tu as... Pour faire 100 heures de jeu pour, avec 10 niveaux, non mais, ouais, non mais, il est là le problème, c'est que, je suis d'accord, mais arriver à un moment, t'achètes un jeu, c'est aussi pour avoir un peu de plaisir, tu vois. Tu pouvais toujours faire une save state, oui, mais ça, tu étais un cheaté des familles. Mais j'avoue qu'à l'époque, moi, j'aurais craqué, mais de fou, sur les merde, je sais plus comment ça s'appelle, mais... pour cheater, quoi. Non, t'es pas vrai. Ah bah oui, là, je l'avoue. Ah, je l'avoue. Mes plus plates excuses là-dessus. Je ne suis pas un vrai. Pour l'instant, en vrai, par contre, vraiment, hein, j'ai rien à dire. Visuellement, je suis... J'ai trop kiffé. J'ai vraiment kiffé de ouf. Tout était comme ça à l'époque. Maintenant, j'ai vu que... Sans tricher, j'ai pas le choix. Ah ouais, non, c'est chaud quand même. Je vous recrée un tout petit poll pour vous dire Tintin ou Street Fighter. Voilà. Et je mets même pas super James Bond. Je vous mets juste ces deux-là. Vous me dites. Parce que c'est les deux jeux que j'ai envie de faire ce soir. Les deux derniers jeux que j'ai envie de faire ce soir. Donc vous me dites... Moi j'ai fini Tortue Ninja et Killer Instinct. Bah je vous laisse voter. Street Fighter, Tintin, c'est juste là. On vote. Et oui. Alors je suis très mauvais en jeu de combat, mais... Mais j'ai passé un très bon moment sur le jeu Sailor Moon, hein, vous vous souvenez? Vous étiez là, on y a joué sur 3DO la dernière fois. Franchement, c'était un plaisir. Bah, il faut voter, hein. Il faut voter, tout simplement, vous votez. Et là, pour l'instant, c'est Tintin qui prend les devants. C'est tout simplement Tintin. Street Fighter, c'est trop bien. Bah, je suis d'accord. Là, c'est le Turbo, en plus, Street Fighter 2 Turbo. Et on est bien lotis, hein. Donc, ouais. Fais le Konami Code pour avoir l'option. De quoi? L'option de quoi? Donc, ah mais je vois que vous avez envie de me faire souffrir sur des jeux de plateforme avec du Tintin. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Moi, Tintin, c'est vraiment... Sachez que Tintin, j'ai eu la collection complète des voitures. Vous savez, ils ont sorti chez vos marchands de journaux. Cette collection avec les voitures de Tintin. Moi, j'étais un gros fan des voitures de Tintin. C'est-à-dire que j'avais les BD Tintin. Mais... les BD, je ne les lisais pas, je décalquais juste les voitures dedans. Nuance. J'étais bien trop con pour les liens. Je faisais juste... Moi, je regardais les dessins.
On peut voter sans... Tout à fait. Tout à fait. Bien dit, Snack. Et bien plusieurs... Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Un joueur du grenier nous l'a assez répété là-dessus. Bon, bah, je crois qu'on est parti sur du Tintin. Va pour du Tintin. Et j'ai appris à dessiner comme ça. Je recopiais. Et bah voilà, ça c'est bon. C'est comme ça qu'on apprend à dessiner, comme en font les grands. On s'inspire. Le temple du soleil. Tintin. Et en plus, on a de la musique de compète ce soir. Comme toujours, hein, d'ailleurs. Ah, ce jeu ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça fonctionne pas ? On insère, on enlève, on insère, on enlève, on remet, on teste. Ça ne fonctionne toujours pas. Et quand ça fonctionne pas, moi j'aime bien souffler dedans. Je sais, outrage à agent, tout ça, il faut pas le faire. Moi je le fais. Bah alors, t'as plus envie ? Pour les écrans récents. Un scaler HDMI. Bah alors il veut pas. Salut toi. La fenêtre est ouverte, mais ça va, devrait pas passer dedans. Hop, hop. On en profite, hein, c'est pas tout le temps qu'on a le chat qui vient. Bon allez, elle a pas envie de rester là. Ouh, elle a pas envie de rester. Hop. Tu vas au lit? Je te rejoins. À tout à l'heure. Ok, mais elle a pas voulu rester longtemps, hein, c'est pas grave. Hop, hop, tac. Bah alors, pourquoi il veut pas marcher ? Bah si, bien si qu'il marche. On insère, bah ouais, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est la technique. Merde. On va pas jouer en allemand. Je suis pas très bon en allemand. Oh la vache. Petites animations, tout ça. Petit jeu infogramme des familles, hein, ça fait plaisir. On va enlever le vote, peut-être. Ah, tu veux pas valider ? Faut valider après. Bien sûr. Cela va de soi. Hop, on enlève le vote. Et on est parti. Truc qui servait à rien, sauf sur Lamborghini Challenge. Pendant que ton pote conduisait, tu dégommais les autres bagnoles. Mais non, trop stylé. Allez, bonne chance. Ça va aller. Ah, oh, j'aurais dû mettre... option. Est-ce qu'il y a un niveau de difficulté? Alors, la musique, tout ça, ça c'est bon. Test musique, mot de passe. Ok, c'est bon, tout va bien. Ah, on laisse tout... On laisse tout par défaut. On laisse tout par défaut, bien sûr. Au cœur du Pérou, l'expédition Sanders Hardmuth touche au but. Enfin, ils l'ont trouvé. Pas de scorpion non plus de mémoire. Oh, les salauds. Raskar Kapak, celui qui déchaîne la foudre. Le mec ne sait pas lire, c'est terrible. Pris d'un mal mystérieux. Oh la vache, ça c'est vraiment les trucs de l'époque, les films à l'ancienne. Et victime d'un attentat, je vais avertir le professeur Hornet. Ah non, faut que j'aille dans l'escalier. Enfin, l'ascenseur plutôt. Mais Tintin, c'était trop bien. Tintin, Milou, tout ça. Oh là là, les bails. Ok, si je me souviens bien, très bien. Et il faut esquiver les gens, parce que les gens te tuent, hein, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Elle a fait un truc avec son gamin. Non, c'est bon. Là, la gamine a fait un truc, je crois. Non. Toujours pas. Ah bah non, elle le fait pas du coup, parce que je suis en mode facile, je pense. Ok.
Ok, bon, pour l'instant ça va. J'ai ramassé un truc, je sais pas ce que c'est. Ok, facile. La dernière fois que j'ai essayé ça, c'était compliqué. Hein. C'était relativement compliqué. Pardon. Ah oui, d'accord. Oh non. Il y a un timer. Ah. Mais... qu'est-ce qu'il faut faire? Bah... bah... là, ah non, oh merde. Je suis pas fou. Tu peux taper, je sais pas. On va essayer pour casser la caisse. Je peux sauter. Là. Là, je saute. Bon, ça, ça me fait chier. Ah, d'accord. Mais comment? Comment? Enfin, la hitbox des... Oh non, bah non. Bon, allez, on speedrun. Ah, on peut courir. J'aime bien le petit high et il meurt. Il est bien fait, le high. Grave. Ok. Mais le jeu est beau, hein. En soi, il est vraiment beau. Il est super coloré et tout. Je pense que quand t'étais gosse, tu devais kiffer tes grands morts jouer à ce jeu-là. Ça speedrun. Hein. Et SNES sans cesse remboursé, t'avais parlé d'une PS2. Oui, je sais, mais elle a lâché. Alors qu'en ça, le coup de fil aurait suffi. Ouais, mais tu sais, à l'ancienne, tout ça, ça, je sais pas ce que c'est, mais visiblement, faut le prendre. Ok, maintenant, on sait. Me concentre. Non mais c'est malin d'avoir mis... Bon, maintenant que je suis passé... Oui, on avait prévenu, ça va être dur. Effectivement, là-dessus, vous m'aviez prévenu, c'est sûr, mais tout de même. Change d'overlay. T'en as envoyé un nouveau? Non, quand même pas. Oh putain. Je le mets. Vraiment, il est excellent. Il est excellent. J'aime beaucoup le titre en haut en fait. Ça me fait rire.
Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est de la vie. Très bien. Cabrice à bord. Et n'empêche que est-ce que vous avez vu le film Tintin? Le dernier, là. Celui en 3D. Oh. Sérieusement. Je l'ai pas trouvé terrible. Ah, moi, j'ai bien aimé. Mais il glisse, ce con. Oh, je me casse, hein. C'est oui, le bureau du professeur Hornet. Il est au fond du couloir. Bah, forcément. Lui, pareil, normalement, je crois qu'il est censé passer le balai. Et du coup, il te fout des coups. Et lui aussi endormi. Il est peut-être mort. Et du coup? Bah. C'est tout? Ouais, le film, je crois que c'est ça, ouais, le film Tintin et la licorne. Bah moi j'ai bien kiffé en vrai. Ah. Oh, on est chaud au cul. Et victime de mal, du mal mystérieux. Quoi, Hornet aussi? Je dois avertir le professeur Bergamote. On a perdu. Sur le minimum de la capacité de la console en animation. Ouais, j'avoue qu'on n'est pas énorme hein, quand on a vu ce que fait Protector. C'était pas mauvais. Ouais, bah moi j'ai trouvé ça bien. Bon, après les animations, voilà, c'est pas ouf. Bah la police, elle est déjà là en plus. What? La difficulté est insane. Je fais le malin. Avez-vous le professeur Bergamote? Bergamote? Il est très gentil. Je vais vous le présenter. Presque en one shot. Mon cher Bergamote, je te présente deux de mes amis. Messieurs, soyez les bienvenus. Ah, c'est Bilou. C'est la momie de Raskar Pakapak qui effraie votre chien. Voici ce qui était gravé sur les murs du tombeau de Raskar Kapak. Dans des milliers de lunes viendraient sept étrangers. Ces profanateurs emporteront le corps de celui qui déchaîne la foudre. Mais la malédiction les poursuivra par-delà les mers. Mon Dieu, nous sommes maudits. Hein? Ah et... Pardon? Ah, il va s'envoler! Et je fais quoi? Et je fais quoi? 0,5% du jeu. On a fait 5% du jeu effectué. Et attends, me dis pas qu'il me fait tout recommencer? Si. Si. Bah si. Bah si. Ok. Tu oublieras de payer. Vous savez quoi? Sans transition, sans transition. Hop là. Hop là. Fini les jeux de plateforme. Allez hop. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part.
Ça part à la benne, effectivement, ouais. Eh ben, dis donc, il faut... Faut insister, hein. Ok. 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 Je me chauffe. Quand c'est possible, en l'occurrence, j'ai fini celui-là. Par contre, protecteur, c'est juste impossible pour moi au clavier. Ah ouais. Avec ma NES, 50 essais avant de sa partie. Ah ouais, non mais ça c'est terrible. Ok. De toute façon, j'y connais rien. C'est lequel qui fait des Hadouken ? Funner, la Guac Team. Ouais, je sais. Là, je pense que si Karaté passe à ce moment-là... Ah, je sors de la Guac Team, je pense. Hein. Normalement, je... J'ai pas les combos. Bas, avant, point. Il veut pas. J'ai réussi enfin. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Quoi? Et renonoche. Et merde. Bas diagonale. Bas diagonale. Avant avec point. Quoi? Ah d'accord. Les arrière-pieds font tourner sur toi-même. Bas arrière-pieds. Oh la vache. Eh, va falloir me les ressortir ceux-là. J'arrive pas à faire. Oh bah super aussi. Ça. Ah bah super. Ah, NeoBX, ça c'est parfait. Et tu m'as l'air meilleur en réparation qu'en tant que gamer MDR. Ah bah tout à fait. Non mais entièrement d'accord. Bas, diagonale. Mais comment tu fais une diagonale... Attendez. Comment tu fais une diagonale là-dessus? Bas. Alors, bas. Si je suis votre truc, bas. Comment je... Bas, diagonale, gauche, c'est ça? Bas, diagonale, gauche. C'est ça, hein. Sur le Discord. Ah oui, j'ai vu le lien. Faut que j'aille voir ça. Attendez. Je m'entraîne. Mais laisse-moi m'entraîner, ça va pas. Et mais moi, les jeux... Sachez que les jeux de combat, pour moi, c'est complètement inconnu. Ça, vraiment, dans ma jeunesse, j'en ai fait zéro des jeux de combat. C'est ça le problème. Et là j'apprends totalement. Il n'y a pas moyen de... Tu fais rouler le pouce. On va faire rouler le pouce. Roulasse et le poussasse. Je sais pas comment je l'ai fait. Ok. Quoi? Mais j'étais accroupi. Putain. Thank you.
Oh bah super. Pardon. Oh le temps. R et L, c'est les coups forts et ça sert de projection. Ah d'accord. Tu sautes sur quelqu'un, pied fort, R, puis bas A, et ensuite boule de feu. Ouais. Oh, fait chier. Oh bah ça c'est pas cool. Ah bah bah non mais c'est bon, j'ai compris. Je fais ce que je peux. Oh là là, oh là là. C'est la base Street Fighter, je sais. Je sais que c'est la base, mais malheureusement, moi j'ai zéro entraînement là-dessus. Hein. C'est honteux. Bon, je tente une dernière. Hein. Mais j'ai pas la notice. Tu peux baisser le niveau de difficulté. Ah. Qui regarde ça d'un air ahuri. Ah bah oui, il est choqué. Hein. Ah, je regarde là, je suis dessus, je suis dessus. Ils sont très très forts. Ça c'est coup de poing. Ça c'est coup de pied. Ça c'est coup de poing. Oh là là, mais c'était... Oui, non, mais voilà aussi. J'arrive pas à faire mes... Je sais les gâchettes, mais j'arrive pas à faire... J'essaie de faire le Hadoken, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est terrible. Pourtant là, j'ai réussi à le caler plusieurs fois, mais... Je sais pas comment je le sors. Je sais pas comment je le sors le Hadoken. Ouais, j'aimerais bien savoir le faire. Ça me fatigue de pas savoir le faire. Ah bah ça c'est pas cool. Je me concentre, hein. Mais il me fait chier avec ces glissades, là. Oh. Les F5 sur PC. Petite bombarde d'Hadoken. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Vraiment, j'ai tout donné, là. J'ai tout donné. Reprends un peu de voilà, je suis désolé mais down. Mais malheureusement, tout ne parlait. Je le garde pour plus tard parce que je veux absolument me revenge là-dessus. Parce que vraiment j'en ai marre d'être aussi mauvais. Quitte à avoir un cours, tu vois. Avoir un cours du soir, un cours. Matin, midi et soir, afin d'apprendre justement à jouer à ce jeu. J'aimerais. J'aimerais beaucoup. Et un jour, j'aurai des cours de ça et je deviendrai fort.
un cours avec karaté, non mais grave. Mais je pense que karaté, s'il me verrait faire là, il me démolit, tout simplement. Il me dit non mais va-t'en de la guac team. Donc on va attendre un petit peu, je vais essayer de prendre du skill un peu là-dessus. Parce que sinon je vais me faire engueuler. Eh ben écoutez, un jour je l'aurai tout à fait, c'est tout à fait ça. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Est-ce que vous avez passé un bon moment, vous, de votre côté? Moi j'ai passé un excellent moment, ce fut un plaisir. Et comme on parle de karaté, on va tout simplement lancer un raid chez lui, parce qu'il lance tout le temps des raids sur ma chaîne. Alors pourquoi pas inverser la balance et aller tout simplement chez lui. C'est à force de jouer que tu t'améliores, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut que je continue. Je vais peut-être garder une Super Nintendo dans un coin pour pouvoir continuer à travailler dessus. Il joue à R6, tout à fait. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Maintenant, on sait dès à présent que cette Super Nintendo fonctionne parfaitement. Je vais pouvoir la donner à mon frère et il en fera très bon usage, bien sûr. Donc, ceci est une Super Nintendo sauvée. Donc ça fait plaisir en tout cas. Merci pour le stream et au plaisir. Merci à vous d'avoir été là ce soir, d'avoir été avec moi, même quand je fais du jeu, franchement ça fait très plaisir. Vous avez été tout très présent dans le chat, vous avez joué le jeu avec les différents votes que je vous ai fait faire. Et de toute façon, on se retrouve demain pour un prochain stream sur de la PS2. Demain, on va essayer de savoir ce qui ne va pas sur cette machine. Et puis, on se fait des zoubis. On se dit à très très bientôt. Et puis, tchuss. Bye. Merci à tous.